L'actualité, c'est aussi le don de l'ONG Bienfaisance qui a procédé le samedi dernier à Abobo à la remise aux pensionnaires enfants orphelins. Plus de 48 millions de francs CFA qui ont été distribués dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire à cet effet. Objectif, apporter du réconfort aux familles vulnérables dans notre pays. Reportage Kanate Kassoum. Comme chaque année et de façon régulière, l'ONG La Bienfaisance organise des cérémonies de remise de pension aux enfants qui ont perdu leur père. Au total, 48 900 000 francs CFA, c'est la somme partagée entre les enfants de plusieurs localités. Cette année, l'action de grâce a bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je suis venu à cette cérémonie au nom de Madame la ministre Nassane Mbatoré, ministère de la Femme, Famille et Enfants, pour venir encourager nos partenaires dans l'œuvre qu'ils sont en train de mener pour les enfants. C'est quelque chose qu'il faut encourager et nous demandons à tout un chacun d'œuvrer dans ce sens pour le bien-être de nos enfants. En marge de la cérémonie de remise, le président de l'ONG La Bienfaisance, Draman Koulibaly, a sensibilisé les parents sur le bon usage des enveloppes. Parce que quand vous regardez l'histoire, vous allez trouver d'abord notre prophète Alessor Salam, c'est un orphelin. La mère de Jésus, Issa Alessor Salam, c'est un orphelin. Et nos imams, des grands imams, nos écoles, vous allez trouver que la plupart d'eux, c'est des orphelins. Donc, pour montrer qu'un orphelin, il a une place quand même dans la société, et donc on doit s'en occuper. Donc, et puis, mettre en garde aussi l'argent que nous recevons, pour ne pas qu'on lapide ça n'importe comment. Parce que le jour de la rejection, on sera questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ONG qui est crédible, qui est là et qui fait des actions. Et ces actions sont toujours publiques pour que les gens s'imprègnent aussi de ce qu'ils font pour faire tache d'huile, pour faire exemple. C'est ce que je veux dire. Mais pourquoi ? Moi, je suis là avec eux parce que je les connais, je connais leur sérieux, je connais leur aptitude à faire ce qu'on leur demande. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est pour les orphelins qu'on a distribué plus de 46 millions de francs. Et ce qu'on demande aux parents, c'est de faire en sorte que cet argent aille pour les besoins des orphelins. L'opération va s'étendre à plusieurs localités du pays, dont Vavois, Divo, Tabou, Korogo, Grand Bassam, Yamoussoukro.